Salut les amis. Bon, on est samedi matin, on a attendu les cannes vers 8h. On n'a pas voulu se lever trop tôt non plus. Puis on a pris notre temps ce matin. On est là pour la journée. Bon, on est dans la Sèvre nantaise toujours. Sauf que là, on est dans un endroit un peu plus large. On a l'embouchure de deux bras de rivière. Donc je ne ferai pas voir le poste, comme j'ai dit. Parce qu'on veut revenir demain. Et puis, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, je ne ferai plus voir les postes. Bon, je vais vous expliquer un peu comment c'est fait quand même. Il y a des arbres dans l'eau en face. J'ai une canne tendue à gauche. Une à droite. Et une autre un peu plus sur la droite. Donc, j'ai amorcé un peu autour de l'arbre hier. Et là, ça bouge pas mal, mais c'est carrément dans les arbres. Donc, j'irai pas pêcher dedans. On va espérer que le poisson sorte de sa cachette. Et j'ai une autre canne qui est tendue un peu sur ma droite. Là, il y a quelques saules dans l'eau. Donc, j'en ai mis une par là. Donc on verra bien ce que ça va donner, on est là pour toute la journée. Il faisait pas chaud ce matin, je suis avec mon fils là. Il faisait 0 moins 1 je crois, quand on est arrivé au bord de l'eau. Donc là ça commence à se réchauffer un peu, mais c'est pas encore ça. Mais il y a du soleil, donc on est un peu confiant. Il a mouillé pas mal hier soir, quand je suis rentré là. Il s'est mis à mouiller à plein temps. Donc est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va pas être bon? On le saura un peu plus tard. Donc on va essayer de filmer un départ en direct. Sans filmer le lieu, ça va pas être facile. Bon, je vais mettre le caméscope en hauteur et puis je vais m'arranger pour que on voie pas le spot. Voilà les amis. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être avec un poisson. Je suis assez confiant parce que ça bouge pas mal là-dedans. Alors c'est un poste, j'ai dû y pêcher, je crois que la dernière fois, ça fait 25 ans. Si je me trompe pas. À peu près, ouais, entre 20 et 25 ans que j'avais pas tendu les cannes à ce poste-là. Donc le lieu a bien changé. Mais il n'est pas plus mal. Avant, il n'y avait pas tous ces arbres dans l'eau. C'est pas dégueulasse. Donc j'espère que vous reprendre avec un départ en direct et un joli poisson. Parce que je sais qu'il y en a de la très grosse ici. Allez, à tout de suite. Bon les amis. Premier poisson du coin. On va essayer de pas trop se faire voir. Magnifique poisson sauvage. Toujours à la même bouillette. Coriandre, fémur grec, ail foie. Ouais. C'est bien battu dans l'eau, mais se bat encore là. Belle petite coco, bien sauvage. Il fait mal, là. Magnifique. Poisson de rivière. On m'a fait un combat de malade. Ça fait super plaisir.
faire des combats comme ça. Bon, on va relâcher ça, puis retendre la canne. Bon, salut les amis. Donc, bilan de la matinée. Un poisson. On a eu quelques tirettes. Je prends probablement du blanc. Là, on a retendu les cannes. On a fini de manger. Et on est retendu pour l'après-midi au même endroit. J'ai ramorcé quelques bouillettes dessus. À la fronde. Un peu mieux placé que ce matin. Chercher un peu plus la difficulté. Un peu plus près des branches. On verra bien. En espérant qu'elle sorte de là-dedans. Ça bouge, il y a bien quelque chose dedans, mais à mon avis, elle ne doit pas être toute seule. Donc, est-ce que c'est de la carpe, est-ce que c'est du silure? Je ne sais pas. Dans la Sèvre, il faut s'attendre à tout. Donc voilà. Les petites cannes sont juste à côté de moi. Tendues. Bon voilà, pour info, la preuve, hein, je suis venu pêcher ailleurs, sur un poste en Sèvre. Et j'ai réussi à faire un poisson ici aussi. Donc au petit malin là qui regarde les vidéos ou qui surveille où je pêche, ça sert à rien quoi. Vous voyez bien que là j'ai changé de poste, je suis complètement à l'opposé de là où je pêchais et il y a quand même du poisson. Donc en voilà la preuve encore. Donc ça sert à rien d'aller barboter sur les postes préamorcés. C'est surtout ça qui fait chier, c'est qu'il était préamorcé celui-là. Donc voilà quoi. Là j'ai fait un petit amorçage hier et j'arrive à toucher un beau poisson ce matin. Enfin un beau poisson, il faisait à peine 10, mais bon, pour moi c'est déjà un beau poisson de rivière, hein. Surtout en petite rivière comme ça. Donc voilà, donc j'essaye de vous reprendre avec un poisson encore. Bon, j'ai pas filmé de départ en direct, je venais juste d'éteindre le cabescope et je revenais pour l'allumer, elle est partie en même temps. Bon, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. On va essayer de faire filmer un petit départ en direct. Bon, le principal, c'est au moins d'avoir du poisson. Allez, à tout de suite, j'espère.
Bon les amis, la petite vidéo va se terminer. Bon, j'ai oublié de vous dire, hier j'ai été voir sur le poste là où il y avait le gars, là j'avais plié un peu plus tôt pour chercher un autre poste. Donc j'ai été voir le gars qui était sur le poste que j'avais amorcé. Bon. Une grande gueule. J'ai papoté un peu avec lui, une très grande gueule le mec. Pensez bien un mec qui m'a vu pêcher là-bas, parce que je l'ai vu plusieurs fois à la fouille Formon pendant que j'étais là-bas. Donc il a vu que je prenais du poisson, il est venu dessus. Le mec il a 40 ans, mais ça fait 50 ans qu'il pêche. Ouais, il est fort. Il est un petit peu né avant son grand-père. Ouais. Enfin bon, je m'en fous. Comme je dis, il y a du poisson partout. La preuve, je suis venu sur un autre poste, j'en ai fait un. Bon, c'est un peu plus compliqué ici, mais bon. Il y a quand même une sacrée fosse en plus. Il doit y avoir 400 mètres là où je suis tendu. Donc, c'est moitié une fosse à silure. Donc, c'est possible qu'on en pique un demain. Donc voilà, je vais amorcer le poste juste avant de partir. On va revenir demain matin. On va vous dire à demain. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les nouvelles recettes, nouvelles sessions que je ferai comme ça à l'arrache, des sessions rapides en petite rivière. Et voilà quoi. Sinon, portez-vous bien, allez à la pêche, faites comme moi. Si vous pouvez y aller, allez-y. Et je vous dis, ciao, bye bye les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.